Bonjour Séverine, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver en ce premier lundi de septembre, lundi 4 septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Le mien a été vraiment riche de plein de belles choses, de nouveaux projets qui se dessinent. Mais qui dit lundi dit fleur de la semaine. Alors, qui va nous accompagner en ce premier lundi de septembre, jour de reprise, de rentrée pour beaucoup? Alors, voyons voir. Impatience, qui voilà, mon ami impatience. Prenez un temps pour observer impatience. Voilà. Alors, mon ami impatience, c'est la fleur qui me caractérise le mieux. Si vous faites comme moi partie des gens pressés, pour lesquels ça ne va jamais assez vite, ou bien vous avez du mal avec les personnes lentes, eh bien, impatience va vous aider à transformer cette difficulté en force. Vraiment, une fois que l'impatience est canalisée, elle peut devenir vraiment une force, un moteur pour avancer. Et elle nous permet aussi d'accepter que ben, la vie, c'est exactement ce qu'elle fait. Et les choses arrivent au rythme qui est juste et bon, profondément. Même si parfois ça nous échappe, vraiment, impatience nous aide à rester dans cette confiance que la vie, c'est ce qu'elle fait. Il n'y a qu'à lâcher prise, il n'y a qu'à, c'est vite dit, lâcher prise, lui faire confiance et se dire que tout arrivera exactement à point nommé. Et faire de cette impatience une force, un moteur. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, elle fera certainement des heureux. Et si vous souhaitez démarrer un accompagnement avec moi ou si les fleurs vous intéressent, je vous invite à prendre contact via le lien qui s'affiche. À très bientôt. Belle journée, belle semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.